Bonjour et bienvenue à Sphereville en compagnie de Mini-Mars et toute la petite équipe. Salut tout le monde. Salut. 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 Et Mini-Mars, et bien sûr, il est présent et il passe à la télé. Voilà. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour le Sphere Games Tour. Donc c'est la première fois qu'on le filme. Donc on va pouvoir vous montrer quelques épreuves qu'on a fait. Et les joueurs en pleine action en train de se fighter. Donc Mini-Mars, je vais te laisser ouvrir tout ce qu'il faut pour commencer cette épreuve. Donc sûrement vous connaissez tous le spliff, mais pas le spliff de Sphereville évidemment, parce qu'il a un peu été modifié à notre sauce. À la sauce Sphereville, comme on dit, voilà. Et donc vas-y Mini-Mars, je t'en prie. Alors je vais en profiter pour que les joueurs se mettent devant moi. Oh yeah. Alors sur ma droite vous voyez bien évidemment le grand spliff à 8 étages. C'est un spliff particulier. On a mis de la terre à la place de la neige pour éviter de faire laguer les joueurs. Dans ce spliff vous allez retrouver bien évidemment des mobs, vu comme il y a des étages sombres. Mais vous serez muni de pelles enchantées avec efficiency et je crois bien fortune, breaking. Mais je pense pas que ça ne sert à rien. Un breaking. J'allais dire fortune, ça me sert fortune. À rien. Fortune, ça existe. Donc pas. Voilà. Le but de cette épreuve, c'est de faire bien sûr tomber l'adversaire à l'étage secondaire. Au fur et à mesure que les joueurs passeront les étages, l'étage du dessus sera enlevé pour une meilleure visibilité. Là, ça se passera en évidemment 4 manches. C'est-à-dire 4 manches, le joueur qui arrivera en bas, le dernier survivant sera premier. Ainsi de suite, jusqu'au deuxième pour la deuxième place, jusqu'au troisième pour la troisième place, et le quatrième pour la quatrième place. Le quatrième, c'est celui-là qui aura le petit point. Ok. Donc voilà, on va commencer, je pense, à amener les joueurs un par un en haut. Hop, on ouvre les portes. Allez, je vous invite à monter. Alors, bien évidemment, comme vous venez de le voir, c'est un spliff avec des mobs, évidemment. Donc, pour corser la difficulté de l'épreuve, parce que c'est trop simple sinon. Hein. Donc, les voilà. Hop. Alors, dans les coffres, vous allez trouver vos pelles enchantées en face de vous. Vous allez avoir aussi des gâteaux pour ceux qui ont faim. Et vous allez retrouver aussi également des trous pour l'entrée. Vous vous placez devant les trous, au top de BK, vous allez sauter dans les trous et l'event commencera. Voilà. Donc, prenez plusieurs pelles. Ouais. Alors, ne prenez pas tout évidemment. Hein, bon. Aux 3 pelles, ça suffit, je pense. Ouais, je pense que. Ouais, je pense, ouais. En même temps, à la vitesse où vous allez mourir. J'en ai juste pris 9. Donc placez-vous tous devant un trou, lui que vous choisirez, hein, celui que vous trouverez le plus favorable à votre... Alors, juste avant de commencer, il faudrait faire un copier-coller. Vas-y, Mini. Ou Speeder, si tu peux aussi. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Je laisse Mini s'en occuper. Attends, fais-le, moi je prends juste 30 secondes, j'arrive. Il faut que je copie quoi exactement? Tout le bâtiment? Non, que l'intérieur. Bon, je m'attends 30 secondes, j'arrive. Vas-y. Je laisse faire lancer le event, comme ça il... Ok. Pas trop. Donc voilà, là, j'arrive. Ce que vous voyez en dessous, c'est les visiteurs. C'est ceux qui ne participent pas, mais qui encouragent, on va dire, ces joueurs-là. Donc, je vais attendre qu'on fasse une sauvegarde vite fait. En fait, tu copies tout l'intérieur, Speeder, jusqu'en bas. Que l'intérieur, voilà. D'accord. En fait, comme ça, quand l'épreuve est fini, hop là, on fait un collé et ça se remet tout comme c'était pour la prochaine manche. C'est pour ça. Donc, j'espère que vous entendez bien, qu'il n'y a pas de problème de son, tout ça. Bon, généralement, je fais des tests avant, évidemment, pour la qualité de son. Or, ça va. Donc, comme vous voyez, bon, il y a plusieurs épreuves. Hein, mais pour l'instant, on va se contenter du spliff modifié. Donc, Speeder, tu me dis quand tu as fait ta sauvegarde. Et je débuterai le Sphere Games Tour. C'est bon. Donc, est-ce que vous êtes prêts, joueurs? Oui. Ok, à mon go. Hein. 3, 2, 1, sautez. Go. Dans les maps.
On va éviter ces mots-là, ça sera censuré, oui. Merci. Eh oui, ça, là, il n'y a aucune pitié pour les joueurs, comme vous voyez. Hein. Autant ils sont chargés par les... Allez, Sam, on descend, merci. Voilà, merci. Donc, bien évidemment, je pourrais pas filmer tout, par les mobs. Tous les étages. Parce que lague. Ça va très vite. Ça lag beaucoup aussi. Leur et Ragor ont été tués. Alors, qui c'est qui reste en haut, là? Excuse. Il reste du monde. Il y a un coffre, là, qui est pris, King. Des piles, des belles. Il y en a un autre privé à miner. On a perdu Luc. Ouais, on a perdu deux joueurs. Lucas, qui est mort, comme vous voyez dans le chat. Hein. Là, il reste Tank contre Netronic au second palier. Du haut. Hop là, Netronic, il te reste 5 secondes pour descendre. Ah, on a Tutiche aussi en bas, on a Tutiche. Donc on va descendre à l'étage supérieur. En dessous. Netronic contre Skiller. Nous avons Tank et Tutiche en bas aussi qui s'affrontent. Donc ah si, Netronic, il faut descendre, merci. Ouais, tu te tapais. Ouais, je t'ai même pas tapé, qu'est-ce que tu dis? Hop. Netronic qui a rejoint Tank et Tutiche. Voilà. Ouais, sous mes pelles. C'est un peu boule là, les gars, hein. Normal, il y a Tank. Autant se fighter, hein, comme je dis. Alors là, Tank essaye de s'adopter une technique. Oh non, là, oh là là, Skiller contre Tank. Tank contre Netronic à l'étage du dessous. Et voilà, Skiller 5, Tank, t'as 5 secondes pour descendre, je te fais confiance. Et la pluie s'installe sur ce, sur le Sur Game Store en même temps. On est un peu à l'abri. Là, c'est Tank contre... Vas-y, ça me casse, toi. C'est Tank contre Netro, je crois, oui. Oh là là, Netro fuit. Et en dessous de toi, on a Zankia contre... Voilà, Skiller qui a été tué, voilà. Je vous fais des petits zooms, hein, chers abonnés, pour que vous voyez mieux Zankia le combat. Zankia contre les mobs. Skiller, t'étais pas mort avant. Là, ça dort un petit peu, les deux joueurs, là. On a Zankia qui est tout en bas, tout seul. Qui va gagner ce duel? Oula, Skiller, il vient d'arriver. Il est encore en haut. Oh, il est mort deux fois, Skiller. Ouais. Mais Skiller, il est... Ouais, Skiller, il était mort, il était mort, il était mort. C'est quoi, c'est... Quand vous êtes mort, vous restez en haut, normalement. Bah voilà. Ouais, redescendez pas, quoi. Nous avons toujours... Nous avons Zankia contre Skiller. Non, mais Skiller, il est mort, il faut arrêter. D'accord, on peut pas savoir de cas que Skiller a été tué, mais a fait tomber Zankia. Zankia est mort aussi. Il m'a fait tomber aussi dans l'étage, mais on a Netronic. Oh là là, Netronic, tank encore 5 secondes. Oh là là, Skiller m'a fait tomber dans la neige, hein, qui est déjà mort. Oui, non, mais Skiller. Il est mort de Skiller. Skiller a fait tuer Zankia alors qu'il était mort aussi. Non, mais Skiller, c'est sérieux. Et il continue à jouer. Voilà. Vas-y. Oui, continue à jouer, Skiller. Non, Skiller, tu sautes dans la lave, s'il te plaît, là, merci. Ah, ça y est, je l'ai tué. Alors, attends. On est obligé de recommencer, du coup. Non. Pour faire revenir Zankia. Ouais, je vais faire revenir Zankia. Zankia, ouais, qui a été tué. Il était ici, oui. Et il y a moi aussi. Et Tronic, ouais, c'est une Skiller qui a fait tomber. Voilà, donc. Voilà, c'est parti. T'as pris des pelles, quelque chose? Il y a moi aussi. Il y a moi aussi. Tiens. Voilà, il t'a donné une pelle. Vous plaît, au niveau du PVP entre Aragorn et Lucas, il y a qui restait? Il y a Netronic aussi. Vas-y, TPE, je lui envoie une pelle. Bon, je crois que je vais descendre tout seul. Ah si, c'est bon. Bonjour. Ah bah, c'est parti pour donc, le dernier palier. Voilà. Donc, vous pouvez enlever les éclairs et la pluie, tout ça, je sais pas. Non. Parce que ça fait la guerre un petit peu. C'est fait exprès. Donc, 3, 2, 1, fight. Et donc là, c'est la finale, on va dire, entre les trois. Putain, aucune pitié. Hop là, Zankia éliminé.
Ça sera Netronic contre Tank. Attention, qui va être le plus malin? Est-ce que Tank peut gagner cette partie? Je vous fais un gros plan sur Tank avec son magnifique skin rose. Ça déstabilise l'adversaire. Lol. Ça déstabilise Netronic, ce rose magnifique. Donc au passage, hein, bien sûr, le but du jeu est de faire tomber l'adversaire, pas être à l'opposé. Hein. Attention, oulala, c'était chaud. Skiller, si la prochaine fois je te vois encore ici. Non, c'est parce que Sam il m'avait poussé. D'accord. Oh, et voilà, Tank winner. GG. Tank s'est entraîné durement. Admire-moi, admire-moi. Regarde ce beau gosse. Et bien, toi, pour une fois que tu fais quelque chose. Donc, on va remonter en haut. Je vous fais une petite coupure et on se retrouve tout de suite en haut. A tout de suite, les gens. Et nous revoilà sur le Sphere Games Tour sur Serville, toujours en compagnie de Minimars et Speeder et toute l'équipe. Donc, qui ne peut plus parler, évidemment, tout simplement pour bien qu'on vous explique un peu comment ce jeu fonctionne. Tout à fait. Donc, déjà, Mini va vous dire le nom de ce jeu, hein, et ensuite, quel est le réel intérêt de ce jeu. Donc, Mini, je te laisse la parole. Alors. Si BK veut bien filmer à mes pieds. Oui. Voici l'épreuve numéro 12 qui a le nom de Gruyère. Voilà. Cette épreuve consiste à placer les joueurs sous ce damier. En gros, c'est un gigantesque damier à plusieurs étages. Il y a 1, 2, 3 étages en forme de carré et le reste c'est pour la finale. Les étages qui restent en tout, c'est pour la finale. Les joueurs devront se placer devant leur laine de couleur. Une fois rentrés sur l'épreuve, ils devront faire pousser leur adversaire dans les trous et les faire tomber dans la lave pour qu'ils meurent. Les joueurs qui auront la chance de tomber dans l'eau auront un espoir pour eux pour remonter dans la partie. C'est-à-dire qu'ils devront remonter les courants d'eau et grimper aux échelles pour accéder de nouveau à l'arène. La reine du gruyère, ok, d'accord. Voilà. D'accord. Bah, très bien. Ça se passera en 7 manches. Oui. C'est la personne qui fera le plus de victoires qui sera à la première place. Ok. Donc on va pouvoir remettre la parole aux joueurs. Voilà, merci bien. Voilà. Donc c'est une épreuve inédite sur le Star Games Tour. Elle a été créée il n'y a pas très longtemps. Et donc on va pouvoir lancer ça. Donc Mini, tu lances le top départ. Alors, attends. Est-ce que les participants sont tous là? Non, Arragor a craché. D'accord. Donc on va attendre. Donc comme vous le voyez, voilà. Hein, c'est une épreuve que je pense n'a pas été trop vue sur des events. Si ça a été vu, je suis encore une fois désolé. Hein, c'est pas du copy, hein, bien évidemment. C'est des épreuves qu'on essaye de créer tout simplement pour trouver toujours du fun à ces jeux-là. Donc nous avons quelques joueurs. Oui. Cet event a été préparé avec moi et avec l'aide de Speeder. Speeder qui est où d'ailleurs? Qui est là? Ah, qui est là. Vous voyez ce petit bonhomme là? C'est Speeder. Petit bonhomme. En même temps, je passe au passage qu'il a acheté les mêmes lunettes que moi, mais bon, regardez, hein, c'est pas évidemment pas les mêmes que moi. Pour vous rappeler mon skin, hein, je vous le remets, voilà, je suis là. Et donc, Speeder a pris la marque au-dessus, oui. Hein, Speeder, t'as pris la marque? Oui. T'as pris la marque au-dessus, toi? J'ai pris la marque au-dessus avec les lunettes qui se baissent. C'est ça. Donc, tous les concurrents sont bien présent. Hop, on regarde, on fait un petit tour. Nous avons Sam, nous avons Tank ici, Argor. Là, il y a encore une place de libre, Zankia. Voilà, chaque joueur devant une entrée du jeu. Ouais, d'une couleur, parce que là, on est tous à des angles. C'est un peu embêtant pour entrer. Ouais, c'est un jeu qui a 9 places de toute façon. Alors, est-ce que les joueurs sont prêts? Oui. Ouais. Oui. Les cas, je laisse lancer le décompte. Ok, donc 3, 2, 1, go!
Et il y en a déjà un qui est mort. Une personne qui est mort. C'est énorme quand même, il commence le jeu. C'est qui s'est tué ? Oula, oula, Lucas, oula, Lucas fait tomber. Oh my god. Hop là, ça se frite, ça se frite, ça se frite. Zankia est mort, Zankia... Aragorn est mort. Non, non, Zankia n'est pas mort. Zankia n'est pas mort, est tombé dans l'eau. J'ai tombé à 1 cm de la lave et j'ai réussi à tomber dans l'eau. Zankia va devoir remonter. Aragorn aussi. Ah là là, tank, c'est pas skiller. Au passage, nous avons deux concurrents supplémentaires, donc deux zombies qui se joignent à la partie. Oh là là, c'est du PVP, regardez les amis, en live. Ouais, oui. Comme tu gueules. Tank a repoussé son adversaire avec honneur. Voilà, avec honneur, exactement. Y'a plus personne dans cette zone. Qui c'est qui reste ? Tank reste sur sa petite plateforme. Aragorn, on remonte à l'échelle. Ouais. Est-ce qu'il va réussir à intégrer? Fight. Oh, fail. Aragorn. Arrête, Sample. Aragorn fail, voilà. Voilà, Tank se promène, là, il est tranquille, il attend, il bronze. Alors, tes premières impressions, Tank, pour la victoire? Franchement, ça va, tranquille. Pour la victoire, pour la défaite, tu veux dire? Je vais aller voir Aragorn. Aragorn, une petite interview, vite fait. Aragorn, deuxième pour la victoire. Attention, oh Ouh, Aragorn est mort. Oh, les deux sont morts. Magnifique. Il est mort en dernier. Mais Aragorn est mort avant Ouais, Aragorn est mort avant Tank. Attends, donc, je comprends pas pourquoi j'ai respawn mon spawn. Est-ce qu'ils ont cassé les lits? Oh non, ils ont cassé les lits. Ah, oui, ils ont qui a cassé les lits, là? Je sais ils pas. Ils sont stupides. Tout à fait. La nuit. Donc, maintenant, Tank, ils sont... Donc, Tank qui gagne un point. Ouais, un point sur les 7 là. Voilà. Je compte bien tous les gagner. Laisse-moi aller. J'ai noté au passage les points. Allez, on se dépêche. Allez. Et ceux qui ont passé dans le lit, vous partez. Voilà. Allez, hop. C'est parti. On compte à rebours pour recommencer la deuxième partie. Donc, la deuxième épreuve. Je pourrais avoir à manger, s'il vous plaît. Il y a des gâteaux derrière vous. Oui, mais toi. Je dis pour pendant le jeu, il n'y en a pas besoin du tout. Ouais. Moi, j'ai bouffé un pain. Ah bon, j'en ai pas bouffé. Mais j'ai pas compris, Aragorn, t'étais tombé dans l'eau ? Oui. En fait, au tout début, je suis tombé dans l'eau. Pour une case de la lave. Pour tous les joueurs qui tombent dans l'eau peuvent remonter pour retenter le jeu. Ouais. Ready to fight. Je sens ce décompte. 3, 2... 1, go! Aragorn. C'est plus sécurisé là. Aragorn, il va doucement, Aragorn. Ah non. Ah, ça commence. Un joueur qui est tombé. Oula, ça se fait. Deux joueurs qui est mort. Deux joueurs, attention. 4. 3. Il y en a un troisième joueur qui est tombé dans l'eau. Non, c'est bon, dans l'eau. 5. Oh là là, le pire, c'est que je me suis suicidé. Voilà, Aragorn, Lucas et Zankia qui sont morts, je crois. Non. Donc Sam qui a pu se repêcher, attends. C'est un vrai gruyère, on peut le dire. Exactement, voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Le PVP, là. Donc, il reste Sam qui est en haut, Tank qui est toujours au milieu de sa plateforme. Donc, allez, Sam. Il reste plus que Sam et Tank. Zankia, il se plaise. Il reste que ces deux-là? Est-ce qu'il reste que ces deux? Attention! Ouh là là, attaque! Eh oui! Tank est tombé. Tank est mort, voilà. Et Sam, il je crois que c'est. Sam. C'est le dernier, non? Je crois que c'est le dernier. Ouais, bah, bravo, Sam. Ouais. GG. GG, Sam. Sam, tu peux tomber dans la lave. Je vais me faire un plaisir de faire tomber. Ah, il veut pas tomber, hein, Sam. Il a envie. J'ai noté le point pour Sam. Skiller, pareil. Résiste! Ah, il résiste, Sam. Vas-y, Lucas, on tout à l'heure. Parce qu'il fly. Voilà, donc... Donc, pour le récupilatif du score, Tank 1 point, Sam 1 point. Voilà. Donc, on va pas vous filmer toute l'épreuve. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine event. Et bonne chance encore à tous les concurrents. Plus tard. Ouais, c'est... A plus. Manger.
Et nous revoilà sur Serville pour la finale, évidemment, entre Sam Pellegrino, qui est dans le coin bleu, contre Tank, dans l'équipe verte. Donc, faites votre pronostic, il n'y a pas de souci. Qui va gagner entre ces deux joueurs? Vous aurez la réponse après ce duel. Donc, Mini Mars, je vais te laisser, je vais te laisser faire le décompte. Est-ce que vous êtes prêts sur ma gauche, Tank? Ouais. Sur ma droite, Sam. Ouais. Un vrai combat de titans s'annonce. Attention, attention. On peut voir les visages fébriles de Tank contre Sam avec la joie de vivre. Il a envie d'y aller. On le voit bien. Tank sourit. Voilà. Confiant. Tank sourit, vous ça, le voyez. En plus de ça, Sam, si tu bats Sam Tank, tu détrôneras Sam le... n'a pas de bouche, il est très très sérieux. Voilà. Et il sourit pas, il a pas de dents. Tank est très confiant. Costard avec son rose, joli... costard rose. Ouais. Il a tellement pas peur qu'il veut être vu de loin. Et donc, on va faire le décompte. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1. Hop, 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 hop. Oh, il y a un archi magnifique. Il y a faux départ pour Sam. Non, marché ne nique pas. Non, non, non. C'est l'archi. Faux départ pour Sam. Faux départ. Tank, c'est pas bien d'engager des archers. Pas bien d'un archer. Comment veux-tu gagner contre Tank vu comme tu perds contre un archer? Ah ouais, c'est clair. Ah purée, c'est... Je disais donc, sur ma gauche, nous voici avec en compagnie de Tank. Tank a quelque chose à dire avec son joli smiley? Non, non, rien à déclarer. Non. Rien à déclarer. Oui, Tank est super confiant, on le voit avec son skin rose. Voilà, donc on va aller du côté de Sam. Sam, un petit mot. Confiant? Non, il a rien à dire, d'accord, Sam. Cacahuète. Ok. Cacahuète. Entre cacaproute et cacahuète, et ouais, passe à la télé. C'est parfait. Moi, je passe à la télé. Il l'a fait, mesdames et messieurs, il l'a fait. Donc. Le fameux je passe à la télé est revenu, enfin. Donc. Vous êtes prêts? Alors, 3, 2, 1, 0, fight! Alors, qui va gagner entre Sam contre Tank? Alors, vous voyez, ils adoptent deux techniques bien différentes. Faites vos votes dans les commentaires de la chaîne, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller. Hein. Donc, attention, et ça commence! Oula là! Première fight! Oula, oula, oula! Contact entre les deux joueurs. Et ça ne rigole plus. Très sévère. Ouh là là, il y a du sprint. Oh, voilà, Tank. Ou Tank. Tank. Ouh là là. Tank a perdu. Voilà. Et voilà, le winner. C'est terminé. Ce fut rapide. Ce fut rapide. Voilà. Tes premières impressions, Sam? Il y a de la chance. Pas facile, tranquille. Voilà. En plus de ça, Sam a enfin battu Tank. Enfin. Moi, j'ai envie de dire, on s'est fait en 3 manches. Non, mais t'inquiète. Donc. Et donc, je vous dis à très bientôt sur Serville pour les prochains events. C'est parti. Salut, salut. Ciao, ciao. 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 Salut. Nous revoilà pour la troisième, je dis bien la troisième place entre Skiller à ma droite, vous le voyez dans l'équipe, dans le coin vert, et contre Zankia dans l'équipe bleue. Donc qui va gagner pour la troisième place? C'est maintenant. Donc Minimar, c'est à toi. Oui. On a le beau costume rouge de Skiller sur notre gauche. Contre le costume blanc de Zankia. Voilà, un petit commentaire, Skiller, pour la troisième place. Tu vas gagner, tu vas perdre? Je vais perdre. Tu vas perdre, ok. Très, très, super. Très bien comme technique. Skiller, il perd vraiment bien confiant, là, voilà. Et Zankia, pour ta troisième place, tu vas la gagner, la perdre, Minimas? Moi, j'adore la lave, alors j'espère que je vais la retrouver très vite. Ok, bah ils sont très très bien les joueurs, ils sont très confiants entre deux. Si les gens sont déjà prêts à perdre, c'est bien. On voit que ces joueurs sont vachement motivés pour la gagne. Alors. Donc vous voyez comme en dessous, vous voyez. Voilà, BK qui a perdu, voilà, il est tombé. Non, moi j'ai pas tombé, moi c'était juste pour montrer la lave qui est bien toujours présente. Donc est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, fight! Fight! Attention, attention, c'est parti. Les joueurs se rejoignent au centre.
Et la première attaque va survenir. Ouh là là, esquive de Skiller. Esquive de Skiller, oui, effectivement. Ouh là là, esquive de Zanky aussi. Et ça se fight, ça y est. Premier contact. Ouh là là. Et voilà, Zanky. Troisième place pour Skiller. Et un petit commentaire, Skiller avant de sauter dans la lave. Non, même pas, il a sauté direct. Ok. Très bref. Donc. Oh non, c'est qui a cassé le lit, sérieux. Il a encore gagné, oh là là. Et donc nous voilà. Nous avons le classement. Le classement, voilà. Donc un petit récapitulatif du classement. Sam, on a... premier, Tank, deuxième, Skiller, troisième, et Zanka, quatrième. Et voilà. Il y a quelqu'un qui a cassé le lit encore. Et donc bravo à tout le monde, hein, évidemment. À tous les participants.